Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 2 août 2023. Il n'y a rien qui s'est arrangé depuis ce matin. De toute façon, j'ai l'impression de me répéter. J'ai l'impression de... Quelle heure qui est là? Bon, il est 11h30. Bon, OK, on est à l'heure. J'ai l'impression de me répéter depuis plusieurs jours, parce que depuis jeudi ou vendredi passé, que je parlais qu'on... Bien, même plus longtemps que ça, qu'on était sur un top, qu'il n'y en avait pas d'autre choix avec la prochaine décision de la Fed. Ça va être loin. On était en pleine saison des résultats financiers, puis, bof, à part 3-4 jours de hausse sur les grosses capitalisations, il n'est pas arrivé grand-chose. Puis là, bien, on est en correction partout. Bon, c'est pas Nasdaq qui chute le plus, mais tout le monde... Bien, regardez, quand on regarde les graphiques en intra-séance, là, bon, mais regarde, oups, c'était un petit peu. Regarde, c'est clair que tout ça, c'est en baisse, même si on a eu un petit rebond au cours des dernières minutes. Là, les marchés sont en baisse de 1,5% pour le Dow jusqu'à 2% presque sur Nasdaq. OK. 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 Peut-être que les gens s'attendent... OK, il y a très, très peu d'auditoires, fait qu'on va être plus de recommencer tout à l'heure. Tout le monde va poser les mêmes questions. Puis là, regardez, ça tient pas fort là, pour l'instant. Regardez, on vient d'avoir un petit rebond sur Nasdaq là, qui est à 1 à 2% en baisse, puis en baisse et encore en baisse. Là. Le rebond est fini sur le Dow, il est fini sur le SPY, il est fini sur le TSX, à mon avis, aussi. Fait que, bon, c'est sûr que les gens qui ont jeté un coup d'œil sur le marché ce matin, ils ont dit, ouais, c'est vrai, parce que, écoute, regarde, on est rendu mercredi, là, jeudi, vendredi, lundi, mardi, puis encore ce matin, je faisais la même chose, regarde, on a encore, probablement, peut-être encore, hier ou avant-hier, je disais une à deux journées à la baisse, on est rendu à deux, il en reste peut-être une, on va regarder dans les secteurs en s'en allant, là, il y a plusieurs secteurs qui sont rendus à leur support. Donc, ça devrait se stabiliser, la baisse. Là. Il y a encore des places, par exemple, où il y a un peu de place à la baisse. Fait que
on va essayer de tirer notre épingle du jeu là-dedans, mais il ne faut pas trop s'empresser pour bourrer le portefeuille de titres dans un temps où il n'est pas propice, là. Bon, on n'a pas de bull market, mais on n'a pas de bear market, c'est une petite correction normale. Bon, on recommence. OK, bien que là, regarde, comme je disais tantôt, regardez, vous voyez, Nasdaq, il va revenir à la baisse dans les prochaines minutes. Tous les marchés vont revenir à la baisse dans les prochaines minutes. Bien, ils sont déjà à la baisse, mais ils vont retourner sur le bas d'aujourd'hui, je veux dire. Bon, les ressources, le gaz est en baisse. Regardez, ça, c'était ma ligne de ce matin. Mais elle a encore continué. Le pétrole est en baisse. Les pétrolières sont en baisse. L'argent, l'or, les orifères, l'uranium, les mines. Bon, on peut peut-être avoir un petit rebond là parce que le dollar américain a l'air à vouloir revenir là en baisse, donc ça va l'aider. Ici, tiens, regarde, vous voyez, le dollar américain, il arrive au haut de son cycle, puis tout proche de sa résistance. Donc, le dollar américain achève de monter. Donc, le dollar, pas le dollar, mais donc l'or, elle, devrait peut-être arrêter de descendre. Mais c'est ce que je parlais tantôt. Il reste encore de la place encore là, pour l'or. Mais les orifères, eux autres, sont rendus sur le support. Bon, c'est pas le seul secteur. Il y en a quelques autres qui sont rendus là. Au fur et à mesure que je vais les analyser, vous allez voir. Bon, puis dans les secteurs spécialisés, comme ça arrive souvent, on a eu quelques rebonds ce matin, mais c'est tout des 25, des 25 à 35 cents, là. Regardez, Ellie a fait plusieurs six ce matin, mais on parle de 40 cents sur 40 piastres. Fait que c'est pas des gros mouvements. Bon. Il y a eu Southwest qui a rebondi un peu. Il y a eu Carnival aussi qui a fait 65 à 95. C'est 30 cents ici sur Carnival. Puis là, c'est fini. Puis donc c'est tout des petits mouvements. Là. Puis même dans les titres qu'on a... Ben, on a eu une coupe de champions là, ce matin dans les titres que j'ai trouvé. Peut-être c'était après l'ouverture, par exemple. Je m'en souviens plus. Non, c'est à 8h30, ça, j'ai sûrement trouvé avant. Fait qu'il y a eu des mouvements à 9h30, à 55 cents, 90 cents, quand même, WAD, là, c'est Wave Dancer. Puis il y a aussi AI, T-Stamp, qui a fait plusieurs mouvements après l'ouverture, 1, 2. Moi, là, il reste plus ben grand-chose là-dedans. Qu'est-ce que c'est d'autre? Bon, il y a ADMP qu'on avait hier, qui en a mangé toute une aujourd'hui, avec plusieurs faux signaux, puis encore un dernièrement, mais c'était quand même une pièce et 55 à 2 piastres, là. Fait que c'était quand même un swing de 25% là, qu'il y a eu de 11h15 à 11h35, là. Ça fait que... Mais il n'y a que ça sur le marché, là. Quelques cas d'exception à gauche et à droite. Je pense que là... Ah, bon, tiens, il y a le dollar qui continue un peu plus, mais le dollar est toujours un petit peu plus fort. Puis le spike. Mais est-ce qu'on a fini? Ben... On achève cette correction-là. Là, c'est pas le temps de shorter, ça a trop descendu. Puis c'est pas le temps d'acheter parce que c'est pas encore tout à fait fini de descendre. Ça fait que il faut toujours attendre les mouvements profits. J'en ai parlé quand même au cours des dernières semaines, là, que tu sais, en swing trading, un swing, là, ça dure de 10 à 15 jours parce qu'il y a un mouvement neutre. Après ça, il y a un cycle haussier qui peut être 2, 3, 4, 5 jours. Après ça, un autre mouvement neutre. Après ça, une correction. Après ça, un autre mouvement aussi. Fait que d'un début de cycle à un autre début de cycle, là, il y a entre une semaine et demie et deux semaines. Ça fait que... Donc, c'est pas tous les jours en swing trading que c'est propice.
Oui, il y a les cas d'exception, mais les cas d'exception, c'est des affaires de day trade. Ça monte une journée, puis ça monte plus le lendemain. Je vais retourner ici sur ma liste de day trade. Là, regarde, ça, c'est des. Là, je n'ai pas changé ces stocks-là, mais regarde, c'est des titres d'hier, ça. Bon, c'est hier que ça a monté, puis regarde, aujourd'hui, ça redescend. Attends, j'ai mon hors-séance qui est là. OK, je vais enlever ça. On va laisser en 2 minutes pour voir la journée d'hier. Bon, ça fait que ce matin, il y a LIDR qui a rejumpé encore, mais regardez les affaires qu'il y a d'hier, comme Motorsport, qui hier il était en feu. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a rien fait, ça a tout perdu. Ça fait que c'est pour ça qu'en swing trading, là, ils ne sont pas évidents. Fait qu'aujourd'hui, il y a IDAI. Qui là, je suis pas sûr qu'il reste encore de la place pour un autre swing parce qu'il y en arrache. Il y en a eu des beaux ce matin. Puis il y a WAVD. Puis ailleurs, c'est le titre Yell, hier, il bougeait beaucoup aussi. Mais regarde, c'en était un autre. Fait que, tu sais, les cas d'exception qu'on a en day trade, là. Il y en a toujours à peu près juste un, maximum 2 sur 10 qui continuent le lendemain. Ça fait que en swing, tant qu'on n'arrivera pas à la fin du creux, puis on n'aura pas ben de swing. On va faire le tour là, OK? Premièrement, comme bon. Premièrement, on a regardé l'énergie tantôt. Vous voyez, regarde, USO, il est en correction, c'est clair, là, à partir de sa grosse résistance. Quelqu'un me demandait ce matin, on pourrait prendre une petite position sur réchauder. Ben oui, regarde, c'est à la baisse. Puis le gaz aussi, d'ailleurs. Même Tourmaline, le plus fort, regarde, il est reparti en correction, mais c'est pas le meilleur stock à jouer à la baisse parce que c'est un des plus forts. L'uranium est en correction. Les matériaux sont en correction, même qu'ils ont brisé leur support aujourd'hui, en situation complètement surachetée. Il y a l'or qui reste encore de la place. Par contre, les aurifères, eux autres, sont rendus à leur support. Donc, ça devrait se stabiliser ici, là, incessamment, aujourd'hui ou demain. Puis, regardez, le silver aussi, il s'en va vers l'argent, s'en va vers son support. Les mines s'en vont vers leur support, le prochain support. Donc, à des places, il reste de la place, puis à des places, c'est pas mal rendu. Consommation discrétionnaire s'en va presque rendu à son support. Consommation de base est rendue à son triple support. Mais ça fait quand même plusieurs jours que ça tombe. Les télécoms ont passé leur support, mais sont rendus au bas du couloir. Ça devrait s'arrêter bientôt puis rebondir. Les services financiers, bon, vont-ils se rendre au prochain support? Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas arrêté pantoute. Les industriels ont débuté une correction aujourd'hui. Les technologies sont en correction. Il reste encore un peu de place pour se rendre au support. Les immobilières pourraient facilement se rendre au prochain support. Les services aux collectivités sont rendus à un très gros support. Ça devrait se stabiliser ici. La santé, bon, ça monte plus. C'est qui fait ça, là? C'est Bosch qui reste en haut parce que les autres, là, qui ont décollé ce matin, là, le pote, on dirait qu'il a atteint un creux important, mais c'est pas encore assez safe, à mon avis. Les biotech sont rendus à un gros support. Bon, ici, là, pas les biotech, mais les infectieuses, là, pourraient rebondir au cours des prochains jours. Les autos électriques s'en vont vers leur support. Les composantes électriques sont rendues à leur support. Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? On devrait. Donc, on pourrait être rendu à la fin de cette petite correction-là, mais c'est vraiment sous toute réserve. Puis après ça, ben, il y a les aériennes aussi qui arrivent proches de leur support avec Transat fait ça. Onex n'est pas rendu, il s'en va encore par là. Air Canada reste encore un petit peu de place. Chorus aussi. JetBlue, il a mangé la claque dans les derniers jours. American Airlines, il est rendu à son support. J'ose espérer, là, que, comme je vous ai dit au début de l'émission, que la majorité
des secteurs, plusieurs, en tout cas, plusieurs sont rendus à leur support. Les secteurs qui ne sont pas de ressources. Les recreational aussi sont rendus à leur support. Bon, est-ce qu'on va inverser? Est-ce qu'on va traverser sans venir à l'autre support ou vers la ligne de tendance? Bien, c'est pas impossible, là, parce que, à mon avis, ça va trop monter trop vite pour rien. Ils sont tous aussi pareils. Dans le pot, là, regarde, ça a reviré de bord. Regarde, HMMJ, là, il était en hausse pendant quelques jours à cause d'une coupe de stock. Mais regarde, c'est fini, là, il ne continue pas. C'est Tilray qui reste sur son top. C'est lui le plus, disons-le, à faible mot, solide. Mais les autres, il n'y a pas grand. Il y avait C-Web, c'est un peu ce qui est rendu, mais. Mais la plupart des autres sont tous en correction, ce qui est mon C-Web. Ah, il est là. Charlotte Webb. Ouais, ben lui aussi, il a fini son cycle. Après ça, ben on a les blocs. Ça, c'est les blockchains. Pour l'instant, il n'y a plus de cycle haussier. On pourrait revenir à la ligne de tendance. Il y a eu une petite folie il y a une couple de semaines là-dessus. Là. Attends, on va se rendre sur bon, les BTC, c'est toute la gang. Bon, regardez, vous voyez, Hive qui teste son support. HUT, il teste son support. Puis Marathon s'en va vers son support. Puis DMG Blockchain, qui avait l'air à vouloir décoller ce matin. Non, pas en tout, il reste là. Après ça, c'est les énergies renouvelables. Ouh, ça va pas trop bien de ce côté-là. Regarde, on vient de tomber sur le bas de l'année, là, dans les énergies renouvelables. Puis le ETF, il fait la même chose. Donc, il y a Sunwork qui brise son support, s'en va vers sa tendance, devrait se rendre à une pièce et 15. Energex qui est en chute. First Solar qui s'en va vers son support. Jinko Solar qui est sur son bas de l'année. Fait que, so much pour un bull market. Là, il n'y en a pas. Là. Après ça, les biotech, bien tranquilles. Puis les semi-conducteurs en direction du support. Fait que des secteurs aussi, là, j'en ai pas. C'est pas compliqué, là. J'en ai pas. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon. Ça fait que, bon, ma prévision, c'est qu'il reste encore un peu de place dans certains secteurs pour descendre une journée, peut-être deux. La plupart, excepté les ressources, sont déjà rendus à leur support. Donc, ça devrait être une accalmie pendant les deux prochains jours. Bon, ben, dans les accalmies, ça crée des rebonds aussi. Donc, on pourrait avoir des affaires intéressantes. Mais en swing trading, le timing n'est pas là encore. Je vois pas. Écoute, regarde, il annonçait 324 000 jobs, bien au-dessus de ce qu'il attendait ce matin. Ouais, mais est-ce que c'est positif ou négatif? Parce qu'il était un temps, quand il y avait beaucoup de jobs, ça voulait dire que hey, la bourse va monter. Mais depuis quand même un grand bout de temps, quand il annonçait plus de jobs, il voyait juste l'inflation. Ça fait qu'on se le demande parce que, bon, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a Fitch qui a déclassé. Mais tu sais, Fitch, c'est juste une agence de voyons, le mot me manque, là, mais d'évaluation, là, qui ont décoté les États-Unis
de AAA, triple A, qui est le top, à AA+. Ça a l'air mieux, mais non, c'est moins bon. Là. C'est AA+, c'est entre AA et AAA. Okay? C'est AA+, c'est entre les deux. Ça pourrait être AA et demi, AA.5, mettons, que ça pourrait être. Ça fait que, mais cette information-là est sortie bien avant l'ouverture des marchés, au moment où ce matin, avant l'ouverture des marchés, je l'ai encore ici, le hors-séance, vous voyez, quand il était bien en baisse, après, à l'ouverture, on a connu, avant l'ouverture, on a connu une petite hausse, puis depuis l'ouverture, on est revenu encore plus bas que c'était avant. Bon, c'est sûr que ça a une influence, cette histoire-là, de décoter le marché américain. Mais c'est aussi, côté technique, on était dû pour une correction parce que ça avait trop monté pour rien. C'est pour rien. Il n'y a pas de « e » dans « pour rien ». Le Nasdaq vient de pogner une pneue de banane. Le Dow s'en va vers en bas, le SPY puis le TSX aussi. Fait que c'est pas prometteur à très, très court terme. Allons voir les ressources maintenant. Ouais, ils pointent encore tout par en bas. Puis c'est, ce qui est bizarrement, c'est même si le dollar américain pointe par en bas, bien l'or aussi. Fait que, OK, so much pour la valeur refuge, là. Puis quoi d'autre, là, qu'on a, là? C'est de l'ouvrage, faire des émissions dans un marché aussi plate que ça, ou poche, si on veut, parce que il n'y a pas assez de place à la baisse pour shorter, puis il y a encore trop de risques que ça rebondit pas tout de suite pour acheter. Ça fait que, regarde, il faut ronger notre frein, là, comme on dit, là. Ça, c'est Lidar qui a encore monté aujourd'hui. Il y a un Warrant aussi qui vaut à peu près 5 cents. Mais là, c'est pas mal fini. Là. Il s'en revient à la baisse. Fait que, écoute, ouais. Tu sais, regarde, on voit un Nasdaq là, qui vient de faire un spike à la baisse. C'est qui a fait ça? Ben, c'est tout le monde en même temps. Là. Regarde, c'est une baisse généralisée. Pas grosse, mais... une petite baisse de tous les titres en même temps. Ben c'est pas compliqué. À peu près tous les titres de grande capitalisation que j'ai dans mon tableau sont tous légèrement en baisse, mais ça s'additionne, cette affaire-là. Fait que chose certaine, c'est que c'est pas parti par là. Pour l'instant, on s'en retourne là, sur le support. Ouais, je comprends que vous n'êtes pas jasant ce matin, parce que c'est déjà difficile pour moi. De maintenir quelque chose, une conversation intéressante quand je vous ai dit tantôt, il n'y a pas assez de place à part la baisse pour shorter, puis c'est sûrement pas le temps d'acheter, ça fait que demain c'est jeudi, après ça c'est vendredi, moi je pense que jeudi-vendredi on va se stabiliser. Fait que ça va peut-être se ramasser à la semaine prochaine, là, avant l'inversement des cycles baissiers qu'on a là. René dit bon midi Michel, selon moi, la décote des États-Unis aurait dû faire descendre le dollar américain. Ouais, mais il est monté. Attends un peu, on va aller sur le graphique quotidien. Tiens, on va aller ici. Tu vois, ben, il a monté encore un peu, mettons. Okay? Il est en hausse de 4 dixièmes, 40 centièmes de 1%. Fait que 4 dixièmes de 1%. Fait que, ouais, je suis d'accord avec ça, mais de ce temps-là, c'est plus technique que d'autres choses. Les traders sont en check ce que le marché font. Fait qu'il y avait à peu près aucune chance que le marché continue depuis la semaine passée, là, depuis la fin de la semaine dernière. Fait que là, toute la semaine, cette semaine, on a été soit en train, pour les grosses caps, on était en plafonnement. Pour la majorité des autres secteurs,
On a passé les vendredi, lundi, mardi, puis aujourd'hui en correction. Donc, ça a une fin, ces affaires-là. Donc, l'important, c'est d'avoir vendu sur le haut des cycles. On n'achète pas sur le haut des cycles. Puis là, ben, on va arriver au support, là, puis on va pouvoir commencer à prendre quelques positions. Là. Bonjour, René. Bon. Où en sommes-nous? Là? Moi, je regarde mon tableau, puis ça me prend 2 secondes pour voir ça. Bon, il y a Ellie qui vient d'arriver, c'est un autre top. Là. Elle regarde 1 cycle, 2 cycles, 3e cycle complètement suracheté. Fait qu'Ellie va revenir là, comme il a fait les autres fois. Ben, c'est pas des gros mouvements, c'est des petits mouvements. Parce qu'elle regarde, on parle de 43,35 à 43,90, 60 cents du 43$, là, je te dis que c'est en pourcentage, c'est pas pire si on considère que ça se passe en 15 minutes, là, mais c'est pas des gros mouvements. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est vraiment la question qu'on a à se poser. Ouais, puis regarde, ça descend encore partout. Comme je disais tantôt, bon, ben là, hein, ben, je pense que pour les prochains 15-20 minutes, une demi-heure, regarde, tout le monde s'en retourne vers en bas. Le Nasdaq a déjà traversé son support. Le Dow s'en revient sur son bas de 11h, 11h15. Le SPY aussi, puis le TSX aussi. Fait que il n'y a pas gros d'espoir à très court terme. Puis dans mes secteurs spécialisés, ils sont tous plafonnés, là. Regarde, même ceux qui ont fait des petites passe-passe ce matin, ils s'en reviennent à la baisse, là, comme Southwest, Carnival, Norwegian, puis toute l'histoire, là. C'est vraiment compliqué. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui voulait voyager, que ce soit en bateau, en train ou en n'importe quoi, ou en avion. Mais la passe est passée, là. C'est pas au mois d'août qui est la grosse vague, là. Parce que normalement, tous ces voyages-là, ces billets-là, ils ont été réservés quand même longtemps d'avance. Ça fait que... Est-ce que là, il va y avoir une recrudescence de tout ce qui est voyage en avion, en bateau, en auto, et tout ce que tu voudras? Je penserais que non. Mais techniquement, le marché est dû pour cesser la correction de la dernière 1 à 2 semaines là, que ça a descendu, comme je vous ai montré tantôt. Techniquement, on va avoir une pause. Est-ce qu'on va redécoller? On va avoir un rebond. Ouais, on devrait avoir un rebond. Mais on n'a pas de bull market, par exemple. Là. Ça, c'est sûr qu'on n'y est pas encore tout à fait rendu. Quel est le prix d'entrée de Tilray? Ah, ben là, il est viré de bord. Ben, c'est le seul, d'ailleurs, qui a fonctionné. Puis je comprends pas trop pourquoi, parce qu'ils ont fait une coupe d'acquisition de Tilray, puis regarde, ils vont avoir à digérer ça. Est-ce qu'ils font des économies d'échelle là-dedans? Peut-être. Regarde, on va y aller ici, là. OK? Regarde, HMMJ, de toute façon, ça fait plus qu'un an là, que je dis à tout le monde, non, embarquez pas là-dedans. Là. Toutes ces affaires-là, c'était toutes des pièges, là. Bon, mais là, ça en était encore un. Fait que... si on regarde Canopy, bon, les volumes sont très élevés, OK? Donc, par rapport à la dernière année, là, OK? Regarde, on parle de juste Tilray à New York, là, on parle de 30-35 millions d'actions par jour comparativement avant à 3-4 millions, là. Bon, excepté que, bon, il y a le volume est là, mais le reste n'est pas là. OK? On pensait que ça arriverait peut-être ici et là, puis oui, et là, mais c'est pas arrivé. Tilray, c'est lui qui a produit le plus, mais regardez bien là. OK? Bon, regardez bien là. On est rendu à la tendance. On n'a pas encore traversé la résistance. Puis il ne faut pas oublier que Tilray, là, il en a mangé une maudite, là.
Là, on est à Tilray, à Toronto. Attends un peu, je vais aller à Tilray, New York, là. Écoute, je ne suis pas capable d'aller assez loin en arrière, là, mais ça valait 300-400 piastres, si on calcule ça, là, de Tilray. Puis, il y a eu une grosse passe au début de 2001, mais pour l'instant, bon, on a connu un beau petit swing. Puis là, pour le moment, regarde, c'est topé. On a eu un beau petit mouvement intra-séance aujourd'hui, 2,32 piastres à peu près, 2,35 à 2,55, donc 20 cents sur 22,30, à peu près 7-8 %, mais au total, c'est 4 %. Mais je pense que là, moi, je vois pas de puits d'entrée sur Tilray, à moins qu'il y ait eu une pause, premièrement, entre les deux. OK? Là, il y a eu des volumes depuis 9h30, là. Attends un peu. Bien, là, j'ai encore le pré-séance ici, là. Regarde ça, c'est à 5h du matin, puis ça, c'est hier après-midi. C'est juste que pour garder la perspective, bien, je vais mettre ça en 30 minutes, peut-être, sans le hors-séance. OK. Sans le pré-séance. OK. On va aller comme ça. Bon. Donc, ce cycle-là qu'on voit dans le graphique quotidien, c'est ça qu'on voit ici. Mais là, on a eu un double sommet, là, puis il a fait un autre petit shot. Bon, mais là, on est encore sur un double sommet, mais après un, deux, trois cycles et demi, là. Ça fait que, je vous dirais, je veux voir une correction avant, ou une pause plus longue. S'il y a de la correction, regarde, s'il passe en bas de 2,35, on oublie ça, OK? Mais s'il reste en bas de 2,55 pendant quelques jours, couple de jours, puis que là, il redécollait à 2,65, là, on aurait un go. Là, on aurait un go à court terme, mais pas à long terme. Pas à long terme, parce qu'à long terme, là, tout le monde qui a acheté du pot, là, ils ont mangé le bas, là. Moi, je connais un gars là, qui disait qu'il avait fait 5 millions là, parce qu'il avait acheté plein de weed quand Tippett, il avait dit qu'il légaliserait le pot. Mais il les a pas vendus. Puis en descendant, il en a racheté en s'en allant. Puis là, maintenant, c'est que dalle, ces millions. Bye! Bye-bye, millions! Ils sont partis! Il ne faut pas rien que savoir comment acheter, il faut savoir comment vendre aussi. On fait une autre petite pause. On va faire une petite tournée pendant ce temps-là. Pas la tournée des grands ducs, ça dure juste une minute. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. J'ai pas eu le temps de faire une grosse tournée, ça c'est sûr. Oups, et pour l'instant, j'ai. Voyons, je suis pas sur le bon piton, excusez. Bon, voyons. Fait que, voyez, regarde, sur Nasdaq, il n'y a rien qui s'améliore. L'histoire, c'est est-ce qu'on s'arrête là ou on s'en va au prochain support? C'est comme stop ou encore, comme disait la chanson. Puis, il y a un peu, il y a encore, comme j'ai dit tantôt, il y a un peu de place sur le dollar encore. Mais le SPY, on est rendu. Et puis le TSX, on l'a passé. Ça fait que. Ouais, j'espère qu'on devrait faire une pause là, mais je ne peux pas la garantir parce que il n'y a pas d'acheteur dans le marché, là. Il n'y a pas d'acheteur. Puis ça va mal en Europe, puis en Chine aussi, en passant. Hein? Parce que la Chine est en train de se faire planter par l'Inde. Ben oui, parce que les grosses caps, là, les large caps, là,
qui vont toutes faire fabriquer leurs affaires en Chine. Bien, ça brasse en Chine, puis ça va pas bien en Chine. Il y a bien de la bisbille en Chine. Puis en Inde, c'est moins cher, parce qu'en Inde, en Chine, il y a beaucoup de Chinois pauvres, mais en Inde, il y en a plus encore. Fait, hey, en Inde, il y a encore du monde qui travaille pour 2$ dans une journée. Là. Fait que, donc, là, il y a une espèce d'exode de production qui s'en va vers l'Inde. C'est sauté, hein? Mais, tu sais, les compagnies qui font des milliards par année, là, ben, c'est bien des millions qu'ils sauvent quand ils arrêtent de faire produire là, puis ils s'en vont produire là. Puis là, quand tu produis en Chine, peu importe, même si c'est moins cher que produire ici en Chine, mais là, t'as l'Inde, t'as les négociateurs qui négocient, puis l'Inde, elle a dit, ben, on va te le faire moins cher, nous autres. Mais là, quand tu parles de milliards en chiffre d'affaires, ça vaut la peine de déménager du stock en Inde. Fait que là, pour l'instant, je pense pas qu'on a rien sur nos marchés qui représentent l'Inde. Peut-être des ETF quelque part. Là. J'ai un petit problème, j'ai perdu ma liste d'ETF, mais je suis certain que je ne l'avais pas là-dedans. OK, bon, ben regarde, on vient de faire encore un nouveau bas sur Nasdaq. Encore, bien, on s'en retourne sur le bas, sur le Dow. On fait un nouveau bas pour la journée sur le SPY, puis on s'en va sur le bas pour le TSX. Fait qu'il n'y a rien qui s'améliore ici, là. Les ressources, non. Bon, on a un petit spike sur l'or qui essaye d'anticiper le dollar américain. Qui a l'air à vouloir avoir une petite faiblesse, mais écoute, c'est des peanuts. Là. C'est vraiment des peanuts. Puis aujourd'hui, la grosse nouvelle, bien, la grosse nouvelle, ça n'a pas tant que ça d'influence sur la bourse, mais c'est l'Iran qui a décrété 2 jours de shutdown à grandeur du pays. Donc, on met le pays sur pause. Ouais, c'est sûr qu'ils doivent garder des services essentiels, là. Mais parce que la température range entre 40 et 50 degrés. Une des villes que j'ai oublié le nom imprononçable, là, qui est une des villes dans lesquelles sont des grands producteurs de gaz, je pense, ils ont atteint hier 50 degrés. Écoute, 50 degrés, c'est chaud, c'est 100, 107, 108 degrés, là, quelque chose comme ça. C'est chaud en tabarnouche, ça. Puis là, ben, eux autres sont en manque d'eau au bout. Comme quelqu'un m'a dit ce matin, l'Iran, il y a de l'eau en masse, ils sont entourés de 3 mers, mais c'est pas de l'eau potable, ça, c'est de l'eau salée. Fait que, tu peux pas dessaler l'eau pour tout un pays au complet. Peut-être faudrait qu'ils s'y mettent, là, mais... Ça va vraiment mal en Iran, puis dans tous les Émirats, excepté que les plus riches, là, comme l'Arabie saoudite, puis le Qatar, là, il n'en manquera jamais de l'eau. Eux autres, ils peuvent acheter à 100$ le gallon, puis ça ne changerait rien. Ben, eux autres sont tellement riches. Indy. Ah, ben ça a de l'allure, ça. Indy. Indiana Jones. OK. Indy. OK, on va aller checker ça, ouais. Ça doit être en hausse, certain, mais je ne sais pas, je ne le connais pas. I-N-D-Y, hein? Oui, c'est ça. Indy. Hop, il est en chute. Bon, bien, ça a l'air que tout tombe aujourd'hui. Mais il allait bien, par exemple. On ne peut pas dire qu'il allait mal. Là. Regarde, le marché était solide. C'est juste que, oups, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui échappe à la correction. C'est vrai qu'il était en même temps sur une bien importante résistance. En tout cas, c'est à surveiller. Il n'y a pas grand volume hein, sur cet ETF-là. 105 000 aujourd'hui, c'est quand même pas beaucoup. Mais là, comme le reste, là, il va falloir attendre de voir si on va s'arrêter là. Mais le problème avec ça, c'est que même s'il vient se stabiliser sur le support ici, ben, il n'y a pas beaucoup de place avant la méga résistance qu'il y a là. Donc, c'est quoi? C'est une pièce. Une pièce, une pièce, une pièce et quart sur 45 piastres. Fait que
Ouais, non, ce ne sera pas si hot que ça. Je pensais que ça aurait pu l'être, mais ça ne l'est pas. Ben, c'est parce que c'est fondamental, hein? Ça prend du temps, là. Il y a beau avoir un exode des industriels là, qui vont s'en aller en Inde parce que c'est moins cher, mais ça n'aura pas d'influence sur les prix immédiatement, là. Ça, sûrement que non. On fait une autre pause. Puis après, ben, on va faire juste un petit bout d'émission, là, parce que moi, j'ai l'impression que je me répète. Là. J'ai pas grand-chose à dire, à part que on va regarder ouais, qu'est-ce qu'on pourrait surveiller dans l'après-midi, pour ceux qui sont intéressés. Allez, parce que ouais, c'est la plus petite assistance de la semaine. Puis en plus, c'est l'émission publique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est... Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde en vacances. Il y a juste moi et vous. peut-être que vous êtes en vacances, mais moi, c'est pas des vraies vacances. Puis de toute façon, j'ai pas le temps de prendre des vacances. Anyway, on fait une autre petite pause, puis je reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, merci Big qui vient de nous sortir ça, mais hey, regarde, lui, il nous a pris au dépourvu, lui, là. Gars, il a décollé après le début de l'émission. Avant, c'était so-so, gars, il n'y avait pas de volume. Regarde-moi, il est arrivé quelque chose là, sur Rite Aid. C'est des pharmacies, ça, me semble, Rite Aid. Taparouette. Regarde, il vient de faire 30% dans les 11h45, dans même pas une demi-heure. OK. Il vient de faire 30% dans même pas une demi-heure à partir de là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ça en une minute. Attends, on va aller le mettre là quelque part. OK. Il doit avoir sorti une nouvelle sur ça, c'est clair. C'est RAD. RAD. On va le mettre ici, t'sais. C'est New York, OK. Ici. Là. N-R-A-D. Surprenant qu'il n'ait pas été arrêté de transaction, mais en tout cas, il y a eu un. Puis là, on va le mettre. Là, j'étais en deux minutes. Fait qu'on va le mettre en 30 secondes parce qu'il a commencé à midi. Ben, 11h30. Même pas. On va le mettre en 15 secondes. Puis le mouvement est récent. Bon, fait que on a eu un petit premier mouvement, là, OK, que les volumes n'étaient pas trop forts. Ah! Tu sais, il y a des souris qui savent les affaires avant les autres, OK? Ceux qui sont proches de l'information, là, OK? Écoute. Regarde, là, ces deux mouvements-là, là, attends un peu, on va s'amuser un petit peu, on a le temps. Comme ça. Bon, tiens, regarde, on va le mettre avant qu'il décolle. Bon, là. Puis regarde, ça, attends un peu. Non, c'est peut-être pas l'idéal. Attends un peu. Peut-être qu'il faut que je mette plus de données. Un petit moment. Je vais enlever ça. Comme ça. Comme ça. OK, c'est parce qu'il est en 15 secondes. OK, donc, gars, je vais le mettre plutôt en minute d'abord. Puis, donc, on voit là qu'à 10h30, pas 9h30, à 10h30, il valait 10h35, 1 pièce sur les 15.
Puis à 11h40, une heure après, 1,93. Donc, c'est ça, hein? 1,75. Ouais, 1,75 à 1,93. Donc, ça, c'était 20 cents. Fait que... Mais regarde, il n'y avait pas ben de volume là-dedans. Mais, dans un marché qui, comme aujourd'hui, un marché qui baisse, comme aujourd'hui, ou qui a à peu près rien qui monte, là, OK? Lui, il est monté. Ben, m'a dit une affaire, il y en a qui pourraient passer un petit séjour en prison, et cetera. OK? Parce que, eh bien, là, ce monde-là, là, c'est de l'information, j'ose dire, c'est de l'information privilégiée. Fait qu'il n'y a pas de danger que je me fasse accuser parce que je nomme pas de nom. Mais, regarde, pas le premier graphique que je regarde dans ma vie, là, OK? Donc, pendant ce temps-là, là, ah! Ça, c'est la rumeur qui va sortir. Bien, la nouvelle qui va sortir. Mais finalement, elle est arrivée. Là. OK? Parce que là, ici, tu as fait 2 piastres, 2,80 piastres. Donc, 2 piastres et 20, c'est 10 %. Donc, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, là, ça fait pas mal de pourcents, là. OK? Ça fait comme 30-40 % qu'il a fait entre 11h et 11h40 à 12h10. 20, 30 minutes. Ça a pris une demi-heure pour faire le 30 % ici. Mais c'est ceux-là, c'est eux qu'il faudrait faire. La SEC enquêtera pas là-dessus, voyons donc. Elle crème, pof. OK. Il enquête. Mais c'est certain qu'ici, là, OK, il y a des grosses poches quelque part, là, qui ont eu de l'information avant les autres. Parce que la vraie information, c'est là qu'elle est sortie. Mais là, c'est fini, par exemple. Ça, c'est fait. Puis si ça part par là, bien, tous ceux qui ont acheté ici, là, regarde-moi ça, là, écoute, c'est des 500 000. Ça, c'est quoi? C'est en une minute? 500. Bien, on va réduire les autres. Il y en a eu des plus gros, là. Regarde, on va réduire les 3-4 plus gros juste pour avoir une bonne moyenne, là. OK? Bon, bien, regarde. C'est 500 000 à la minute pendant une demi-heure de volume qu'il y a eu. Donc, 500 000 multiplié par 2-3 piastres, ça fait 1,5 million à la minute. OK? Cette affaire-là. Fait que, moi, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qu'ici, là, il n'y a pas eu des fuites, là, ça c'est clair, qu'il y a eu des fuites ici, d'après moi, là. Parce que sinon, c'est là qu'elle a décollé. OK? Non, c'est là qu'elle a décollé. Ça fait que les voleurs sont pas tous en prison. Et puis, mais là, pour l'instant, c'est pas mal fini. Je me risquerais pas à acheter ça parce que, oups, il faut pas... non, mais, tu sais, on n'est pas en hiver, là. C'est pas le temps d'aller faire du ski, là. Fait que, non, tu sais, pour l'instant, là... Oups, tiens, il y a Rubicon Tech aussi qui est parti de l'autre bord, puis il y en a plein d'autres. Le marché est en train de tomber encore. Non, il rebondit un petit peu. Mais on est quand même à 2,3 % là. 1,3 sur SPY, 2,3 sur Nasdaq, puis 6-7 dixièmes sur le Dow Jones, presque 2 % sur le TSX. Bon, on est dans une correction, là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et oui, c'est vrai que ça aurait été le fun de... Mais c'est parce que, tu sais, quand on regardait RAD, là, il y a 2 secondes, là, un peu ici, là, comme ça, quand on regardait RAD, là, ben ici, il n'y a pas personne qui aurait acheté ça, là. Parce que jusque-là, c'était n'importe quel petit mouvement comme on voit. Ah, ici, on aurait pu le découvrir, parce que là, il a commencé avec des 100 000 de volume. Puis le gros shot est arrivé. Fait qu'on aurait pu le découvrir là, puis rentrer là à 2,15 piastres jusqu'à maintenant. OK? Ça fait que... Parce que là, les volumes, ils sont devenus très lourds. Mais de dire qu'on aurait pu découvrir ça là, non. On le voit après
que les voleurs ils étaient là, que la rumeur est arrivée ici, puis que la nouvelle est probablement arrivée là. dans la nomenclature, là, c'est à peu près ça, je pense. Je ne veux pas essayer d'être négatif, mais des graphiques, j'en ai vu des millions. Hein, ah oui, sûrement des millions. C'est impossible à compter, là. Mais depuis 35 ans. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'émission publique aujourd'hui. Décision Plus a eu 35 ans hier. Ben, pas hier, avant hier, le 31 juillet. 35 ans. Puis donc, la moitié de ma vie. Parce que j'ai parti la compagnie à peu près ça, 35 ans. Puis là, elle a 35 ans. Fait que, puis là, moi, j'ai 70. Fait que c'est comme la moitié. J'en ai vu des graphiques, puis des. Puis j'en ai entendu des histoires aussi. Mais là, j'étais un petit peu tanné, là. Un petit peu fatigué aussi. Fait que je vais vous laisser là-dessus, mais je vais revenir cet après-midi. Probablement à 14 heures, parce que 14 heures à 14 heures, je sais pas quoi, parce que enfin, il fait beau aujourd'hui, à la fin de l'après-midi, il faut que j'aille faire un tour au marché, acheter des blés d'Inde, puis quelques affaires, puis j'ai plus grand-chose dans mes affaires. J'ai plus rien de congelé non plus parce que j'ai vidé mon congélateur, j'ai tout jeté parce que la porte a resté ouverte pendant 3 jours. J'ai tout perdu ce qu'il y avait dans mon congélateur. Ça fait que... De toute façon, je l'envoie chez mon fils, à lui que ses 4 enfants, sont 6 à la maison. Lui, il a besoin d'un gros matabord de même. Moi, je vis seul maintenant. Bon, j'ai besoin d'un petit. Fait que je vais changer son petit congélateur pour mon gros congélateur. Puis... Fait que, lui a surveillé, mais R.A.D., là, après une hausse comme ça, il faudrait qu'il s'en aille quand même un bon bout de temps de côté pour faire un signal qui aurait de l'allure. Qui d'autre? Ils s'en vont tous par en bas. Fait que, ça va en prendre un qui va virer de bord quelque part, là. Tu vois, peu importe lequel qu'on regarde, le même leader qui a bien fait ce matin, mais qui est là, ils s'en retournent tous à la baisse. Ils sont tous à la baisse, tous en train de décrocher. Ça fait que je pense que ça suit un peu ce qu'on voit par le nombre d'auditeurs qu'il y a à notre émission. Je pense qu'il n'y a pas grand monde non plus dans le marché aujourd'hui. Il n'y a surtout pas beaucoup d'acheteurs parce que c'est un marché baissier. Puis comme je vous expliquais tantôt, dans beaucoup de secteurs, il ne reste pas tant que ça de place à la baisse à court terme parce qu'on arrive sur des supports. Puis dans certains secteurs, il y a encore un petit peu de place, mais ce n'est pas encore le temps de shorter. On n'est pas en bear market, mais on n'est pas encore sur le piton là, pour dire « OK, on a des bons supports, puis on va se mettre à acheter sur le support, puis on va faire un petit upswing ». On va savoir ça demain ou vendredi, là, si on est bon pour... Je pense. Demain ou vendredi, là, on devrait savoir si on va être bon pour un petit upswing. Bien, là-dessus, je vous laisse. Je vous retrouve à 14 heures.